Bonjour les amis, vous êtes bien avec la chaîne Né pour réussir, avec le leader Didier. Aujourd'hui, j'avais déjà dans toute mon équipe Telegram et WhatsApp parlé de ce projet qu'on appelle CoinMarketCap. Donc c'est une plateforme qui vous permet de pouvoir savoir la valeur qu'a au moment où vous regardez un token ou un coin. Donc, vous avez aussi les classements ici. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter cette plateforme pour vous dire et vous montrer comment vous pourrez gagner des NFT. La seule tâche à faire, c'est de posséder des diamants que vous récoltez sur la plateforme quotidiennement, à votre rythme. Rien ne vous oblige à le faire tous les jours. Mais moi, je le fais tous les jours depuis un an précisément. Et cela m'a permis d'accumuler des NFT. Et ces NFT, si un jour ils prennent de la valeur, je pourrais les revendre ou les garder à ma parce que si j'aime l'image, je peux les garder. Donc, CoinMarketCap vous permet de pouvoir avoir le coût, le montant que coûte une crypto-monnaie, voir ses classements, tout ça. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup cette application-là, mais là, je fais la démonstration sur mon ordinateur pour que ce soit plus clair, plus lisible pour chacun de nous. Et aussi, si vous avez une crypto-monnaie qui vient de sortir, vous avez juste à taper dans le moteur de recherche ici et la crypto-monnaie va s'afficher. Vous voyez, c'est exemple, on met là, attendez, voilà, vous voyez, par exemple, j'ai tapé CRO et ça me sort la monnaie de crypto.com. Donc, vous voyez, c'est à peu près ça. Peu importe la monnaie que vous avez juste à le taper ici. Et ce qui est bien avec CoinMarketCap, vous avez aussi des moyens de pouvoir gagner gratuitement des tokens, gratuitement des coins. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Mais aujourd'hui, on va parler juste de NFT qui sont distribués gratuitement. Vous avez déjà là le tout dernier, là, qui est juste ici. Vous voyez, c'est génial. C'est celui-là qui est gratuit actuellement et il y en a plusieurs qui seront en session gratuite. Donc, pour bien comprendre, vous allez, pour toutes les personnes, cliquer sur la partie que vous allez voir, c'est marqué diamant. Et vous allez sur l'ordinateur, il n'est pas pareil que sur le portable, mais pour ceux qui font sur le téléphone, vous aurez un logo comme ça, diamant, qui s'affiche là. Vous aurez juste à cliquer sur le logo diamant. Voilà. Et là, vous avez toute une page qui sort. Donc, depuis, je réclame ce qui m'a permis de pouvoir voir ces différents diamants-là. Donc, pour réclamer au quotidien, vous voyez, c'est marqué réclamer des diamants. Sur l'ordinateur portable, cette page-là sera alignée par tranche de 3. Et ensuite, le mot réclamer sera juste en bas. Donc, vous voyez, j'ai réclamé hier, avant-hier et tout ça. Donc, aujourd'hui, si je réclame cette somme-là, ces diamants-là, 20 diamants, cela va apparaître augmenté là. Et si je fais simplement réclamer mes diamants, voilà. Donc, ça, c'est pour voir si je ne suis pas un robot. Donc, j'ai juste à le valider ainsi. Et voilà, c'est validé. Vous voyez, vous avez récolté 20 diamants. Je valide. Et vous voyez que mon taux, il a augmenté. Donc, ça recommande en 17 heures, 17 heures pour réclamer 20 encore. Ça serait là jusqu'aux 50. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est ce que j'essaie de vous dire. Vous pouvez participer à des airdrops pour pouvoir avoir des diamants, à des estimations de prix pour pouvoir avoir des diamants. Mais aujourd'hui, on ne va pas le faire parce que je le fais quelquefois. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce que je vais vraiment vous montrer cette partie des diamants. Et vous avez beaucoup de choses à faire. La version ordinateur est encore plus pratique. Il y avait plus d'informations que la version téléphone. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à vous le faire ici d'abord. Et prochainement, je vous ferai une autre version sur le portable. Mais c'est à peu près similaire. Donc, pour voir l'historique, c'est bien ici. Vous voyez? Pour voir l'historique, c'est ici, l'historique des diamants réclamés. Vous voyez, c'est l'historique est là. Et vous voyez le nombre de diamants réclamés. Vous voyez, moi, je le fais tous les jours. Certains le font quelquefois, mais moi, je le fais tous les jours. Maintenant, sur le portable, vous aurez ces deux parties-là qui seront alignées en file indienne comme ça ici. Mais dans l'ordinateur, c'est marqué de cette sorte-là. Donc, ici, c'est marqué récompense de diamants. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez voir ce qui s'affiche. Vous voyez, c'est ce que je vous dis actuellement. Grâce à ces diamants que vous avez accumulés, vous pouvez acquérir
Par exemple, sur NFT. Si j'avais gardé encore mes diamants, je pourrais plus avoir celui-là à 5 000. L'avantage, c'est que vous voyez, à 10 exemplaires seulement. Ça, c'est un NFT. Franchement, quand je vois ça, j'ai les boules parce que c'est un NFT qui aurait pu m'intéresser parce qu'il n'y a pas beaucoup en su, il n'aura pas beaucoup en circulation. Celui-ci, il y en a 100 et là, il y en a 150. Vous voyez, 150. Vous voyez? Et mais je pense même que c'est fini depuis hier, celui-là. Il me semble, oui, c'est depuis hier. Donc, voilà. Ou c'est même pas encore lancé. Attendez, je vous dis ça. Vous voyez? Il y a tout ça en fait. Donc, et le fait que vous ayez les diamants, vous pourrez les prendre à venir. Mais dites pas, oh, c'est impossible parce qu'il y a 2500. Si, c'est possible. Par exemple, moi, j'en ai pris cette série-là de 200, 200, 200 et celui-là à 800. Vous voyez? Et si on fait plus en historique, vous voyez que j'en ai pris d'autres. Voilà, vous voyez? C'est pourquoi je vous dis tout ça, c'est faisable en fait. C'est juste que vous voyez, tout ça, j'en ai pris. Donc, et je peux encore les garder pour en prendre, au fait. Donc, je vous invite à pouvoir vraiment utiliser le lien que je vais vous donner, ce qui va vous permettre de pouvoir avoir tout de suite des diamants, hein, 50 diamants tout de suite gratuitement, parce que vous aurez utilisé le lien que je vous aurai donné. Et vous le retrouvez en dessous de la vidéo. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas pour se faire un revenu, c'est pour pouvoir réclamer quotidiennement des diamants que vous allez garder et obtenir ces NFT-là. Tu peux coûter de la valeur dans 1 an, dans 2 ans, et peut-être changer votre quotidien financier. Donc, aujourd'hui, la raison de cette vidéo, c'était pour vous montrer ceci. OK? Donc, voilà, c'est assez simple. Donc, lorsque vous avez le nombre, vous voyez, j'ai 950. Donc, si j'en avais suffisamment, j'aurais pu prendre celui-ci qui m'intéresse très bien. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, n'oubliez pas, CoinMarketCap, vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Regardez les crypto-monnaies. Regardez les plateformes d'échange, regardez beaucoup de choses et vous pouvez même apprendre aussi des choses. Donc voilà, donc c'est assez simple. Et vous pouvez me contacter aussi pour plus d'informations. Donc vous voyez, ça c'est un classement. Voici des personnes qui possèdent 54 140 diamants. Donc lui, il peut se permettre d'acheter beaucoup, beaucoup plus tôt, réclamer beaucoup de récompenses NFT. Donc il y a une liste assez énorme. Cette application est beaucoup utilisée. Donc, je vous invite vraiment à utiliser l'application qui peut changer votre quotidien. Donc, vous avez aussi les NFT, si vous voulez, les tops de collection. Et ça, c'est la version ordinateur. Donc, vous voyez, les NFT là qui font souffrir la conversion, vous voyez, ce NFT qui coûte 3225 Ether. Donc, vous multipliez par la monnaie de chez vous pour pouvoir avoir le montant qu'il coûte. Donc, ça coûte extrêmement cher. Donc, ne négligez pas cette partie-là et vous verrez. Donc, si vous connectez et que vous réclamez vos diamants quotidiennement, vous pourrez avoir des NFT. Voilà. Donc là, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je vous dis, vous aurez en bas du descriptif, vous aurez en bas du descriptif le lien sur lequel il faut cliquer pour pouvoir adhérer à CoinMarketCap. Vous aurez renseigné votre email, votre nom, un mail, juste un mail, oui, un mail et votre mot de passe pour pouvoir réclamer vos tokens quotidiennement tous les jours. Donc n'oubliez pas, si vous faites pendant 3 jours que vous oubliez un jour, ça reviendra en arrière. Raison pour laquelle moi je n'oublie pas parce que je veux avoir le maximum de NFT. Donc vous pouvez faire pendant 4 jours, si vous oubliez un jour, ça revient. Donc le but c'est vraiment d'atteindre ces 50 qui permettent de booster directement. Donc vous pouvez faire pendant 7 jours et vous reposer 1 ou 2 jours et recommencer à zéro jusqu'à 7 jours. Donc parce que chaque fois que vous allez oublier, vous allez revenir en arrière. Donc moi, je le fais quotidiennement, j'ai mis un réveil sur mon téléphone qui me permet de pouvoir le faire quotidiennement. Et cette aide vous permet de pouvoir gagner 10 diamants. Vous avez des aides pour pouvoir gagner aussi des tokens, mais là, j'en parlerai pas parce que c'est toute une procédure et je pense qu'on va se perdre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette partie que j'aurais voulu vous présenter. Donc, vous aurez quelque chose pareil qui va s'afficher en bas dans le descriptif. Et voilà, vous aurez juste à cliquer sur ce lien que vous allez voir et vous allez basculer pour vous inscrire dans
CoinMarketCap et pouvoir réclamer vos diamants afin de pouvoir avoir vos NFT, vos premiers NFT. N'hésitez pas à me contacter. Exceptionnellement, je vais mettre mon Telegram parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: ah, moi j'utilise beaucoup Telegram, j'ai du mal à vous gentil, plutôt sur WhatsApp. Donc cette fois-ci, je vais mettre mon WhatsApp et mon Telegram dans le descriptif. Mon Telegram, il était un peu perso parce que je travaille beaucoup avec Telegram maintenant au lieu de WhatsApp. Donc bon, on va pas trop blablater. Je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, à liker la vidéo. C'est une toute petite vidéo pour vous montrer ce que c'est que les diamants du côté de MarketCap. Donc, mettez le pouce si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.